Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur la suite de notre let's play de Little Hope épisode 4. Déjà, on avance petit à petit. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait aidé encore Marie, donc la petite fille, et un groupe se préparait à aller se faire attaquer par une espèce de monstre. Et on avait vu plein de trucs très intéressants. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je voulais vous souhaiter un joyeux Halloween vu qu'on est le 31 octobre, donc bon Halloween à vous. Et puis on est parti sur une vidéo. 30, 40, 50 minutes, on verra, je ne sais pas, hein, avec le stress, la fatigue, les QTE que je rate tout le temps, on verra. Donc, bah, portez-vous bien, je vais juste couper Discord, excusez-moi, pendant qu'on charge. Et puis, bah, dites-moi du coup si, dites-moi si vous faites un truc de beau pour Halloween. Alors, hop, attendez. Hop, hop. Alors, du coup là, oui, on se retrouve. Du coup, on était dans le commissariat. On devait trouver le téléphone, bah, pour essayer d'appeler quelqu'un, quoi, tout simplement. Bon, on sait tous entre nous que dans les jeux d'horreur, c'est pas forcément ce qui marche le plus, le téléphone. Avec une cuisine, par exemple. Ok, on est rentré par là. Moi, me chier dessus, pas du tout. Bonjour, le prof. Alors, oui, le prof d'histoire, je l'aime beaucoup, mais un peu tapé sur les bords. Ça me gonfle. Voilà, je vous le dis. Eh, y a plein de trucs là. Attention, préparez-vous au screamer, on sait jamais, hein, dans ce genre de phase. Dans ce genre de phase, il y a toujours des trucs. Reynolds. Poste de police de Little Hope. Très bien. Très bien, très bien. Alors, ça. Donc des cellules, on explore tout, hein. Dans ce genre de jeu, on sait que c'est très important d'explorer. Je me chie dessus les potes, je suis désolé. Je commence déjà à avoir peur, on n'est pas dans la merde. Attention. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu, ok. Youpi, ça rassure pas trop ça, hein. Je veux bien, d'accord, que ça soit une. J'ai tout perdu. Comment ça, t'as tout perdu? Oh, je me sens pas bien, les mecs. Forcément, c'est fermé. Verrouillé. Ok, bon, on retourne en arrière. Moi, peur? Pas du tout. Pas du tout. J'espère qu'on va bientôt revoir le conservateur. Il me manque beaucoup, le conservateur. J'aime beaucoup ce personnage avec la voix de Morgan Freeman, si je dis pas de bêtises. J'ai pas peur du tout. Là, là, là. Non, là. Là. Excusez-moi. Donc là, je me permets de parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Prison de la Ouais, sorcière. sympa. Construite en 1684, démolie en 1783. En 1692, lors des procès des sorcières Little Hope, de nombreux prévenus furent prisonniers ici. Effectivement, c'est très sympa tout ça. Laisse-moi deviner, c'est fermé. Fermé, youpi. Logique, sinon on serait pas passé par la fenêtre. Tu me diras, pas con. C'est un peu chiant ce système de caméra. Moi, avoir peur? Pfum, pas du Il y tout. a forcément un truc. Alors oui, mais le téléphone, c'est pas ce que je veux voir tout de suite. J'ai pas envie de louper un truc important. Oh, ça fait peur, ça, dis donc. Ah, la lune, n'oublie pas, on avait vu un lo. TC. Toi-même, tu sais. Non, je sais pas. On a vu que la lune représentait plusieurs symboles de. Voilà. Plusieurs symboles, tout simplement. Ok. Alors pour l'instant, j'ai pas de personnage préféré, à part le prof d'histoire et lui, justement. Comment il s'appelle, le prof d'histoire? Je crois que Taylor, non, c'est John, le prof d'histoire. D'accord. Parce que dans l'épisode précédent, j'ai confondu John et. J'en ai trouvé un. Un téléphone. On est peut-être sauvés. C'est coupé. Merde! Ah!
Wow. Hey. On va se calmer. Je crois savoir d'où ça vient. Tout le monde t'écoute. Il n'y a pas de câble branché. Il doit y avoir un câble quelque part. Ah bah oui, allez, à la recherche du cap perdu. Par contre, il me fait peur des fois, le prof de... Je veux bien, je l'aime beaucoup et tout, il est sympa, il est cool, on rigole ensemble, mais par contre, Coco... Arrête de t'enfuir à chaque fois que t'as peur, quoi, parce que ça... Du coup, je me retrouve tout seul. Il s'est déjà enfui dans l'épisode précédent, Enculé, il s'est enfui. Ah, on va essayer d'ouvrir la porte là. C'est sûrement là-dedans, hein. Qu'est-ce que je suis un génie... D'accord, c'est pas là-dedans. Je suis pas un génie, en fait. On va aller parler, tiens. Allez, hop. Continuons. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça, comme dans les films, là, et... Oui, Little Hope. Alors, je vais vous le lire, du coup. Ville de Little Hope. Distinction honorifique, décernée à la police de Little Hope. Le 16 janvier 1972, les agents George Reynolds et Ernie Hoffman... Qu'est-ce que c'est ? Bah putain ! Putain, sa maman, j'ai pas fini de lire. C'est quoi ce jeu d'horreur là? Attendez. On répond? Non. Réfléchissons bien. Allô? Oh putain, il qui m'a fait... Qui est là? Ah, il m'a fait peur, ce con-là. Je ne sais pas qui est à l'appareil, mais cette personne va vraiment mal. Elle semble en plein délire. Ça devient vraiment trop bizarre. Raccrochez. Ah, vache. Oh, putain. J'en ai marre! Ça fait deux fois sa mère! Putain! Mais vous bande d'en fils de. Approche, petite. J'aimerais te parler. Garde-toi de révéler notre secret. Ou c'est l'éternelle damnation qui t'attendra. Nous avons un accord, tu te rappelles? Je ne tiendrai aucun vil propos. Si tu dis un mot, ou que tu murmures un mot sur le reste, alors je me présenterai au cœur d'une affreuse nuit noire, avec une sanction qui te fera trembler. Allons, révérend, l'heure est venue, ne tardons pas davantage. Retourne près des tiens. J'en conjure cette cour, ainsi que le juge Wyman. Ne soyez pas dupes des protestations de l'accusé. La tromperie est l'apanage du diable. Tous ces suppôts feignent l'innocence. Ils n'ont pas d'autre choix. Je jure solennellement devant Dieu que je suis innocente de toutes les choses dont on m'accuse. Plus un mot, Amy. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons rester discrets. Laissez faire. Et voir ce qui se passe. Sauf votre respect, révérend. Oh putain! Je doute fortement qu'aucun de mes voisins, qui me connaissent si bien, témoigne contre moi. Ils savent qui je suis, et que ma foi est bien placée. Vous ne me prendrez point dans la toile de vos mensonges. Le démon se dissimule là où on l'attend le moins. Mon épouse ne sert pas le diable, révérend. Que la cour me pardonne. Mais je maintiens mes propos. Ma femme Amy est innocente. Je demande humblement à la cour de ne point prêter garde aux paroles d'un homme dont le foyer est imprégné de l'odeur du soufre. J'ai les os qui se glacent. Quel est donc ce sort diabolique? Le regard malfaisant de la bête est sur nous. Son suppôt est dans nos rangs. Qu'est-ce que... Ne mêle pas de ça. Les preuves présentées contre moi ne sont rien de plus que des affabulations. Si les forces du mal sont parmi nous, je brandirai... Non !
Que t'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Attends, quoi, Maria semble avoir fait une attaque lors du procès. Ok. Vous avez jeté une âme innocente dans les griffes du diable. Nul doute qu'elle est possédée. C'est votre faute! Révérend Carver, quelle rancune avez-vous contre moi? Nous en aurons le cœur, Oulette. Amy, posez la main sur Marie. Voyons ce qui arrive. Si j'ai vu juste, le contact la libérera de ce mal. Que se passe-t-il? Nous saurons alors que vous l'aviez ensorcelée. Oh putain! Relâchez-la! Qui parle? Qui est là? Dieu nous protège! Venez voir en aide! Mauvaise idée! Ton maître ne peut plus rien pour toi. Il est trop tard. Bah oui, forcément. Ils sont là parmi nous! Ils sont là parmi nous! Vous faut-il d'autres preuves que le démon est parmi nous, Alice? Priez pour vous. Le diable est avec nous entre ses murs. Protégez-vous. Implorez Dieu. Alors, je vous explique. Attendez. En fait, je savais qu'en disant « lâchez-la », je savais que justement, ça allait... Comment dire? Ça allait forcément l'accuser. Voilà, je savais que forcément, en disant « lâchez-la », je savais très bien que tout le monde allait encore plus crier au scandale sur elle. Mais justement, moi, mon but, c'est d'être gentil avec l'enfant. L'enfant. Et je sais pas si ça aurait changé grand-chose, si j'aurais rejoint l'enfant ou pas, mais j'ai préféré rejoindre le mec parce que je voulais protéger l'enfant et j'avais pas envie d'aller la voir en mode « je vais la voir » et du coup c'est elle qui se fait accuser. Tout simplement. Mais je protégerai la fille. Donc c'était pour ça que j'ai fait lâcher là, déjà pour qu'on m'entende. Et surtout pour l'accuser entre guillemets parce que c'est pas quelqu'un que j'apprécie, que je m'en fous en fait. Hein. C'est la fille que je veux protéger, c'est Marie. La petite fille que je veux protéger avant tout dans le jeu. Tout simplement. Par contre... C'était quoi ça? C'était réel? Moi, ça m'a paru bien réel, ouais. Sérieusement? Les procès de sorcières, c'était pas il y a des siècles? La plupart a eu lieu il y a plus de 300 ans. Alors pourquoi on vient d'en voir un? Comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucune explication. Quand la petite fille a fait cette espèce de crise, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Je la connais, cette petite fille. C'est celle qu'on avait vue avec Angela dans les bois. Les accusations étaient souvent perfides, lancées pour régler un compte. Ou par pure méchanceté, comme cette petite fille, qui prend visiblement un malin plaisir à envenimer toute sa communauté. Mais non, ce n'est qu'une enfant. Elle ne doit même pas se rendre compte que ce qui se passe est grave. Elle est parfaitement consciente de la gravité de la situation. En tout cas... Andrew a estimé que Marie n'était qu'une enfant. Bah oui, je pense que oui, on l'a forcée à faire ça, donc oui. Oui, c'est pas elle. La deuxième Angela, elle a eu l'air de nous voir. Et d'autres personnes également. Une petite fille qui nous voit débouler comme ça de nulle part... Elle a très bien pu croire à de la sorcellerie, surtout à cette époque-là. Tu peux lui trouver toutes les excuses que tu veux à cette gamine. Moi, je ne lui fais absolument pas confiance. Moi si. Arrêtez un peu. Même nous, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Comment voulez-vous qu'une gamine du XVIIe siècle... La femme qu'on vient de voir condamnée. Je l'avais déjà vue à l'intersection. J'ai remarqué quelque chose d'autre. Son mari... Il vous ressemblait, professeur. Une autre chose m'a perturbé. Les deux personnes avec cette petite... C'est de plus en plus étrange. Ah, il y a eu un bug dans les dialogues. Bonjour. C'est qui? Hé, professeur! Ah, Taylor. Vous êtes là? Oui. Allez, vite, on y va. Vite, ouvrez.
Putain, mais j'ai eu peur. J'étais en train de lire un truc et là, je me fais agresser, là. Je vous jure, tout le monde a eu peur. Hey, Taylor, on est là. On n'arrive pas à ouvrir les portes. Eh, soyez pas con. Ici non plus. Coup de pied dedans. Ça doit être verrouillé. On va essayer de forcer la poignée ensemble. Voilà. Dans 3, 2, 1... Taylor. Monsieur le prof. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Non, on n'a rien trouvé du tout. Il n'y avait que des conneries. Est-ce que ça va? Je vais bien, au vu des circonstances. Vous savez pour le procès? Quel procès? Vous savez de quoi il parle? Inquiétude, on ne sait pas trop ce qu'on a vu. On ne sait pas trop ce qu'on a vu. C'était un peu comme la dernière fois, avec la petite fille. Ça n'avait aucun sens. C'est clair. On a vu la gamine flippante aussi, avec une espèce de vieux tordu déguisé en prêtre. C'était bien un prêtre. Andrew et moi l'avons vu aussi. D'accord, bon, et maintenant? Nous avons déjà essayé plusieurs lieux sans rien y trouver. À part assez de trucs horribles pour nous traumatiser à vie. Oubliez ce qui s'est passé pour l'instant. C'est en ville qu'on trouvera de l'aide. Ça, c'est clair. Sérieux? Oubliez ce qui s'est passé? On a déjà assisté à des tas de trucs carrément flippants, et ce que vous voulez, c'est qu'on s'enfonce dans la ville aux horreurs? Moi, je dis ça comme ça, hein, mais on devrait peut-être d'abord essayer de comprendre ce qui se passe ici. Je suis d'accord. Il faut qu'on comprenne ce que ces visions, apparitions, veulent dire et pourquoi on les voit. Pas bête. Je comprends ce que tu veux dire. On en parlera en chemin. Ok pour moi. Hein? Bonjour. Vous venez? Tout va bien? Ça va, merci. Partons. Qu'est-ce que là? Elle est glauque! Oh non, mais quelle horreur! Ah oui, non, je suis désolé, pour moi, je défends la petite. Hein. Je suis sûr que la petite n'a rien à voir avec tout ça. Entre guillemets. Bien évidemment. Mais j'aime bien la petite. Et on joue le professeur, youpi! Non, donc là. Donc non, genre, je suis désolé. Je suis désolé, mais pour moi, la petite, elle est innocente. C'est à cause de l'autre qui lui fout la pression, là. Cette brume est de pire en pire. Allez, ça va. Et ta-ta-ta-ta, y'a un truc là-bas. Y'a un truc, bougez-vous, dégagez. Vous êtes... Allez, y'a un truc là. C'est quoi, ça? Tilly Johnson. Utilisé pour... Attention. Taylor, il faut que tu vois ça. Alors là, j'hallucine. C'est quoi ce truc? Est-ce que tu as de la famille ici? Dans ce trou perdu? Ah non. Pourquoi ce truc chelou a la même tête que moi? Je sais pas, je veux pas savoir. Mais du coup, la tête, elle était arrachée. Ouais, bon, c'est pas grave, allez, on y va. Enfin, on y va à contre-cœur. Hein. J'ai juste envie de quitter le jeu et de plus le relancer, mais vu que je suis en vidéo, je peux pas. Hein, bien évidemment. On va pas faire 18 minutes de gameplay. Un peu plus quand même. Mais ouais, c'est faut être courageux pour ce genre de jeu. Pourquoi vouloir faire passer le bus par là? C'est bizarre. Comme tout ici. Et comme tout. C'est peut-être à cause de la brume qu'on a dévié. On n'était pas censé s'en sortir en vie. Ah, génial. On n'y voit que dalle. Putain. Pardon. Cette eau est toute noire. Hors de question que je m'en approche. Oh, oui, on peut en faire le contour. On contourne, on n'est pas obligé de passer par le pont. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Je sens qu'il y a un mort déjà là. Ok. Ça... Qui commence? Monsieur le prof, apparemment c'est vous le meneur, donc... Pas de problème, je passe devant. Examinons nos options. Il vaudrait peut-être mieux étudier d'abord toutes nos options.
c'est ça. Bien sûr. Je rêve. Oh non. Je veux quitter ce pont le plus vite possible. Mais pas la première. Et pourquoi? Quelqu'un doit passer devant. Ouais, bon, je sais, même tous pas, et c'est bon. Je te suivrai de près. Incertitude. Ah, c'est bon, je suis désolé, mais bon, et pourquoi ça serait forcément le meneur qui doit passer en premier? Pour montrer l'exemple, la fille, elle râle alors qu'elle ose même pas passer en premier. En première, ça va deux minutes, la fille, là, la meuf. Ah, par contre, c'est un QTO, je suis dans la merde. Ah, maman. Seigneur, on fait quoi? On bouge ne plus. Ne restons pas là. Oh putain, mais quel petit sale... Quel sale gentil petit... En ces temps de grâce, 1692, nous sommes réunis séants pour assister à une juste exécution. Non! Le tribunal a jugé Amy coupable d'hérésie et condamner la sorcière à être noyée. Prions tous en silence pour son âme. Je n'ai rien fait de mal. Je suis pieuse. Je ne mérite point la mort. Par pitié. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes comme Angela? Le sens de vos paroles m'échappe, mais je vous en supplie. Aidez-moi. Le démon est ici. Il veille sur son suppôt. Il veut l'affranchir de ses chaînes. Isaac, hâtons-nous de conclure la présente affaire. La volonté de la cour doit être faite avant qu'il soit trop tard. Le diable lui prête sa force. Veillez à serrer ses liens. Vous n'avez pas le droit. Isaac, je suis exécutez l'hérétique. À l'aide! Renvoyez cette sorcière chez son maître avant qu'ils ne viennent tous nous damner. Little Hope est déjà perdu, rongé par le mal. Mais non, comme vous le prétendez, par les démons et les sorcières, ils nous rongent de l'intérieur. Tes boniments ne pourront pas te sauver. C'est la vérité. Le diable prend bien des formes, vous le savez mieux que quiconque. À Little Hope, le mal s'est dissimulé sous un voile d'innocence et a pris la forme d'une enfant, celle qui m'accuse. Tant que Marie n'aura pas rendu l'âme, Little Hope ne connaîtra pas le salut. Vous cherchez le mal, révérend. Il est au milieu de vous. Isaac. Pu faire là par contre. Elle est où l'autre? Elle est là. Qu'avez-vous vu? Dites-moi. Je ne sais pas comment vous décrire ce que j'ai vu. Votre sosie a été poussée à l'eau enchaînée. Elle s'est noyée. Oh merde, il y a de l'eau en dessous, j'y avais pas pensé. Quel con. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'avais oublié qu'il y avait de l'eau, donc mourir noyé. Oh là, quelle horreur. Tu vas pas me dire qu'on va devoir gérer deux mondes? Ouais, mais la petite fille, je l'aime bien. J'ai pas envie du tout d'être méchante, d'être méchant avec elle, la pauvre. Elle a rien demandé, elle. Très bien, je passe devant. Et puis elle nous a remercié, donc c'est forcément que... Je suis désolé, pour moi, elle est gentille. Je refuse de croire qu'elle est méchante. Ok, c'est bon, venez me rejoindre. Oh. Oh. Oh.
sont derrière vous? Ouais. Ah, quelle horreur. T'as un gun, mec, t'as un gun, oublie pas, t'as un gun, t'as un gun, t'as un gun. Qu'est-ce que c'est que ça? Barrez-vous, 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 putain. Barrez-vous. Restez pas près de lui. Oh. Ouais. Dégagez d'ici. Merde. Ne me laissez pas là. Merde. Aide-moi. Attendez, attendez. Je vais revenir, tenez bon. Ah merde, je crois que j'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Attrapez ma main. Allez, plus vite. Il faut qu'on sauve Angela. Elle va mourir, je crois. On a, oubliez pas la vision. Putain! Allez! Vous pouvez le faire! Respire, respire. Respire. J'ai une balle, j'ai une balle. Après il peut pas rentrer. Après il rentre. Attendez quoi? Angela a échappé de justesse au démon sur la berge. Oh la vache. Donc ça se joue que à la souris en fait. Oh attends, j'étais pas bien là par contre. Ah là non, alors là, je suis désolé, mais là j'étais pas bien. Oh bonjour vous. Il s'en est vraiment fallu de peu pour Angela. Elle a failli connaître un sort pire que la mort. Quoiqu'il n'y ait rien de particulièrement mauvais dans la mort. Eh bien, bravo! Aucune perte tragique jusqu'ici. Les choses auraient pu se passer autrement. Les enjeux ayant l'air d'avoir pris de l'ampleur, cette arme pourrait bien sauver quelques vies. Vous ne croyez pas? Ou avoir l'effet inverse? Andrew va garder ça pour lui. Bien joué. Mieux vaut penser à soi. Les garçons ont des idées intéressantes. Préférez-vous croire à l'hypothèse de Daniel, affirmant qu'ils sont tous morts? Mon rêve vivait encore au-delà de la vie. Alors la tempête commençait pour mon âme. Je croyais franchir le fleuve mélancolique avec le sinistre batelier, chanter par les poètes et gagner le royaume de l'éternelle nuit. C'est possible, je suppose. Le chauffeur de bus en sait peut-être plus. Vous devez trouver tout cela bien confus à ce stade. Sosie d'autrefois, sorcière, fantôme, mort, horrible démon. Qu'est-ce qui pourrait bien relier toutes ces âmes damnées entre elles? Nous finirons bien par savoir. On m'a accordé la permission de vous offrir un indice, un seul. On tente? Très bien, donc. Cherchons à nouveau l'inspiration auprès de l'énigmatique William Shakespeare. Je l'ai rencontré une fois. Je vois tout le monde une fois. Acte 5, scène 1, où Cléomène supplie Léonte de bien vouloir lui pardonner d'avoir provoqué la mort d'Hermione. Faites ce que le ciel a déjà fait. Oubliez vos offenses. Et avec lui, pardonnez-vous. Allez-y. Aussi terrifiante soit la situation, vous devez y retourner. Alors,
l'un de... Alors, je t'aime beaucoup le conservateur, tu es l'un de mes personnages préférés. Mais ça m'aide vachement pas tout ça. Putain, mais ça reprend pleine action en plus, hey, j'étais pas prêt là. Dites bonjour d'abord. Hein. Vas-y, John, vas-y, je me prépare, ça, je fous le sourire apparemment. Non, mais c'était quoi cette monstruosité? C'était vous. J'ai jamais rien vu de pareil. C'était une vision de cauchemar, vous avez vu cette horreur? Mais ta gueule! Sa bouche béante, son regard mort, sans âme. N'y pensez plus, c'est fini. J'ai failli mourir. S'il m'avait attrapé, il aurait pu. Vous avez eu la peur de votre vie. Et nous aussi. Mais au moins, on s'en est tiré vivant. J'ignore comment, mais j'ai réussi à m'en sortir toute seule sans une égratignure. Vous êtes forte. Vraiment très forte. Alors attendez, Angela était sûre de pouvoir s'en sortir saine et sauf sur la berge. Oui, bah c'est sûr. Je me foirais une autre fois, c'était mort. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'indice qu'il nous a donné, c'est cool que les indices qu'il nous donne, c'est William de Shakespeare, un truc comme ça. Et ce qu'il nous a dit, c'était pardonnez-vous, nanana, pardonnez les autres. J'ai pas compris c'était quoi son indice, mais en gros, il faut être gentil, donc faut se pardonner, donc ça me dérange pas. Faut pas se faire la guerre. John a refusé le verre. John a hésité à prendre la tête du groupe. Ouais, ça c'est quoi? John a confronté... Ok. Cette chose, cette abomination est toujours là. Elle est peut-être même à nos trousses. J'ai vu ces chaînes. Les mêmes que la femme qui a été noyée. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence. L'un de vous sait-il où sont passés Taylor et Daniel? Ils ne doivent pas être bien loin. Oh non, pas encore. Oh non, par pitié. Derrière vous, des. Fichons le camp d'ici. Hein? Derrière vous, il y avait quelqu'un. Il y avait un monstre derrière vous. Il y avait un monstre. Cassez-vous, barrez-vous, merde. Il y avait quelqu'un derrière eux. Je vous jure, il y avait quelqu'un derrière eux. Remettez. Si on continuait, je n'aime pas cet endroit. Parce que toi, tu crois que je l'aime peut-être. Oh, attendez, parce qu'en plus, il y a des indices. Et dans un cimetière, mais putain, c'est rassurant tout ça. Thomas William, gouverneur adjoint et magistrat, décédé le 30 juin de Bose Mario. D'accord. Oh là là. Qu'est-ce que tu regardes? Dis-moi, vite, tu regardes quoi? Vite, allez, bouge ton cul, toi, ma mère. Je pensais tellement qu'elle allait mourir parce qu'on avait vu une vision. Attendez, on avait vu une vision où elle se faisait choper, justement. Et je pensais que c'était là, mais apparemment, je me suis peut-être trompé. Il faut qu'on parte d'ici. Il y a cette chose qui rôde. Eh ben, on part alors. On part. Allez, mais bougez-vous! Putain! Mais vous êtes casse-couilles, les mecs! Sérieusement! Non, mais ça va 2 minutes. Allez, dégagez. Je suis désolé, on se barre. J'ai entendu. J'ai pas envie de prendre mon temps, au cas où. J'entends de plus en plus fort. Moi peur? Pas du tout! Ah, mais non, mais arrêtez! Arrêtez. On devrait s'éloigner de ce pont. Je suis d'avis de mettre le plus de distance possible entre cette chose affreuse et nous. Je pense que Daniel et Taylor en seront d'accord. Ouais, et du coup, on fait comment? Ah, chut, alors attendez, je pars plus. C'était chaud là. Vince s'est éloigné du groupe à vélo en émergeant dans la brume près du cimetière. Ah, mais c'est Vince! Mieux vaut éviter de le croiser, selon moi. Les derniers mots de cette femme résonnent dans ma tête.
Si on veut sauver Little Hope, il faut absolument arrêter la petite fille. Est-ce qu'elle parlait d'arrêter les accusations de sorcellerie ou d'autre chose? Je sais pas trop. Allez, on y va. Putain, mais Vince, il avait des trucs plantés dans lui. Quelle horreur, c'est un démon ce mec. Je vais rentrer jeter un coup d'œil. On reste à trois, je crois. Oh non, arrêtez. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Comment ça va? Je me demande si cette chose va essayer de nous retrouver. Je crois pas qu'il soit après nous. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Faut qu'on reste près l'un de l'autre. Quand tu dis près, quel genre de prêt? À tout de suite, dis donc. Comme ça? Peut-être pas si près. Allez, bah allez. Un peu plus près. Encore un peu. Oh ouais, oh, c'était bien. Rester ensemble. Bonne idée. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, putain! J'ai rien entendu. Moi si. Little Hope, Historical Wench Witch Trail. Sentier historique de Little Hope. Je me demande d'ailleurs, petite question. Parce que je me demande si c'est des vraies histoires d'horreur et en fait ils le font en format jeu vidéo. Genre. Ça me plaît pas trop, je préférerais passer ailleurs. Genre, c'est certain qu'on ait le choix. Genre, je me demande en fait si. Si en fait les histoires qu'on nous raconte dans Madoff Medan et Little Hope, c'est pas des, entre guillemets, de réelles histoires, entre guillemets, c'est-à-dire des histoires qu'on racontait à l'époque sur Little Hope par exemple, ou quelque chose. J'ai pas vraiment envie d'y retourner. Ou quelque chose comme ça. Et en fait, je me demande si en fait ils racontent pas ces histoires qui sont de base dans des livres en format jeu vidéo. Je pense que c'est peut-être que c'est le cas, je suis pas sûr, mais vous voyez, des histoires qui existent, alors. Qui s'est pas passé réellement, ou un mythe, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, il raconte le mythe, cette fois-ci, dans le jeu vidéo. D'où l'intérêt de faire plusieurs histoires, Man of Medan, Little Hope, il faut que tu vois ça. Lui. Et un nouveau, etc. Quoi. Cette chose est peut-être encore là, cachée dans l'eau. Non, on l'a semé il y a longtemps, j'en suis sûr. Arrêtez de parler trop vite. À partir du moment où tu vois un démon, tu peux... T'es pas, non. T'es pas serein en fait. Merde. Tu passes devant, hein? T'es plus légère que moi. Tu devrais y aller. Pas con. Y'a pas moyen que je traverse ce pont de merde, c'est mort. Pour rejoindre les autres, c'est par là. On n'a pas le choix. Bon. Je vais traverser et toi tu me suis. Si le pont s'effondre pas. Comme tu veux. Je te laisse d'abord y aller. Voilà, je te laisse y aller. Les gens racontent qu'on va se casser la gueule juste devant. Ah non. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça, merde? Il est dangereux ce jeu. Il est très dangereux comme jeu. Attendez, j'ai pas envie de louper de trucs là. Je suis sûr que j'ai loupé plein de trucs. Non, en tout cas, le problème de Madoff Medan et de ce jeu-là, c'est que, comme beaucoup de jeux d'horreur, ils utilisent le côté screamer pour faire peur, alors que c'est pas forcément des screamers qui font peur. Enfin, ça fait peur, mais c'est les jeux d'horreur que je préfère, pour pas vous mentir. Je préfère tranquillement... T'as vu ça? Tombe de sorcière. Cette pierre indiquait que l'idée de la première personne exécutée lors des procès de sorcière de Little Hope. Ok. Tu vois, c'est pas les jeux avec des screamers que j'aime beaucoup parce que c'est ta peur, mais c'est pas de la vraie Tirons peur ici. En quelque sorte. Mais ne touchez pas. Silence. Je vous en prie. Marie. Je suis par ici. Marie. La source de tous les maux est là. Mais
Mais quel mal! Vous pouvez nous dire ce qui se passe? On comprend rien du tout. On a bien failli mourir. Que sais-tu de la mort? Aujourd'hui, j'ai sorti mon épouse de l'eau, là où elle s'était noyée, pour l'enterrer, dans une tombe creusée de mes mains. Et tout cela à cause d'elle. Marie. Plutôt à cause du... Je veux savoir qui vous êtes. Pourquoi vous ressemblez à John? Je ne saurais trop vous répondre. Peut-être suis-je déjà sous l'effet d'un sort étrange. Je la vois. Je l'ai trouvée. Où l'as-tu dénichée? Je l'ai fabriquée de mes mains. Je la prends pour ton bien. Le doute et la trahison font bon ménage à Little Hope. Le risque est grand. Non, Tabata! Je veux la garder! En fait, ce que je trouve dommage, c'est le côté screamer. Genre là, c'était pas un screamer comme la fille, donc j'avais pas peur, parce qu'on le voyait venir et ça me stressait aussi, tu vois ce que je veux dire? Pas besoin d'un screamer pour faire peur, parce que déjà là, quand je joue au jeu, je suis stressé. Voilà. Aucune ligne téléphonique. Ok, alors on est bel et bien coincé ici. Vous ne les avez pas vus? Non, toujours pas. J'espère qu'ils n'ont pas de problème. On aurait déjà dû retrouver le chauffeur du bus. Je me demande où il est. Bonjour. Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles? J'ai l'impression qu'elle veut que nous la suivions. Ouais. Non. Suivons-la. Je suis d'accord. On devrait la suivre, elle est mêlée à tout ça. Les deux petites filles... L'une est du passé, et celle-ci est de notre époque. Peut-être que l'enfant que nous voyons est, disons, un reflet de celle qui vivait ici au XVIIe siècle. On ne devrait pas attendre Daniel et Taylor? Ils devaient passer ici, nous les aurions vus. Oh putain. Arrêtez de faire des screamers, ça ne sert à rien. Enfin, des screamers, je me comprends. Prudence. Qui sait ce qui nous attend? Ah non, j'aime bien la petite fille, ça serait trop bête qu'on l'a... Non, j'aime bien. Elle me plaît bien, Marie, l'enfant, là. Je veux pas faire quoi que ce soit. Elle nous a remercié au début, c'est pas pour rien qu'elle nous a remercié. Je veux aider Marie. Hé, attendez-nous! Oust! Mais Oust, laisse-le. Ah, c'est dégoûtant. Adieu. Hé! Hey, vous êtes là? Mais... Non. Ta mère! Adieu. Et ouais. Je peux pas couvrir, par exemple. Je sais qu'on est dans les égouts, mais t'es un peu en danger de mort. Putain, et moi qui voulais m'arrêter là. Allez, vu que Halloween, ça va aller, on va faire une heure de vidéo, mais c'est tout. Hein. J'aime pas ce jeu. Déjà que je suis un stressé de base, alors avec ce jeu, je stresse plus que la normale. C'est pas marrant du tout. Pourquoi je me fous de ma propre gueule maintenant? Tiens. En fait, ça se joue qu'à la souris en fait maintenant. Je sais plus clavier souris. Je sais pas si je préfère la souris ou le clavier souris.
Ah non, est-ce qu'il y avait clavier-souris? Non, c'était full clavier et maintenant full souris, je crois. Je sais pas. T'es morte? Angela! Merde! Non! Mais non, elle est peut-être pas morte, arrêtez, oh là là, tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Il n'y a plus que toi et moi. Jusqu'à ce qu'on retrouve Taylor et Daniel. Hey! Il y a quelque chose qui bloque la porte. Viens m'aider, s'il te plaît. Je me sens stressé maintenant. Oh là là, c'est pas humain comme jeu vidéo. C'est pas un jeu que tu peux jouer deux heures. C'est trop fatigant. Au moral. Par contre, Gus DX, hein, fais ce jeu. Ce serait bien. Tu dis pas non, moi, pour qu'il fasse Man of Medan. Une sorte de musée. Mais, ouais, mais elle est où la petite fille, la Marie? Petite fille. Où es-tu? Du calme. Je trouve ça bizarre. Fais attention. On ne revivra pas ce qui vient de se passer avec Angela. Vous en êtes certain? Mais je pas ferai mort. Tout pour qu'on s'en sorte tous les deux. Dès qu'on sortira, on ira rejoindre les autres. S'ils ont survécu. On part déjà pas très défi... Attends, non, mais elle est pas morte, arrête. Andrew, Angela... oui, mais on peut pas voir qui est mort ou pas, qui se crée... Tragédie, équipe de Taylor. Taylor a accepté de traverser le pont pour retrouver les autres. Taylor a approuvé l'idée d'aller une petite fille. La fille a conduit John et Andrew au musée. Nature. Angela n'a pas approuvé que John nanana était sûr de pouvoir s'en tirer. Angela s'est enfuie dans l'obscurité des égouts après s'être retrouvée face à un démon. C'est enfui dans l'obscurité des égouts après s'être retrouvée face à un démon. Mais voilà, elle n'est pas forcément morte. Faut arrêter tout de suite, hein. Mais je crois que la fille du présent, elle est pas méchante, hein. Que fait cette gamine seule dehors? C'est étrange. Elle pourrait avoir un lien avec Marie? Certainement. Mais comment et pourquoi, je n'en sais rien. Allez, mais c'est ça le prix de jeu. Code avec le cul. Merci. Tu t'en sers dans... Oh, bah ça, je vous laisserai lire. Little upset. Non, on peut pas lire. Bon, on peut pas lire apparemment. C'est pas grave, c'est pas très très urgent. Et ouais, c'est pas un jeu que... C'est comme Man of Medan, hein. C'est pas un jeu que... Man of Medan, il était trop dur. Pareil pour ce jeu-là. Bonjour. Que c'est... T'appelles ça un musée, toi? Perturbant. Oui, c'est tout sauf un musée. Ça m'a foutu les jetons. Ah, la poupée de la fille. La poupée ici présente aurait initialement appartenu à... Regardez ça. J'ai pas le temps de lire. Je l'ai déjà vue. Où? Sur la route, près du bar miteux où on est allé. Angela et moi, on l'a trouvée par terre. C'est là que Marie nous a surpris la première fois. Intéressant. Elle nous a peut-être conduit ici pour nous montrer ce truc. Regardons ça de plus près. Mais enfin, vous êtes dingue! Adieu. Il existe d'innombrables histoires qui parlent d'esprits qui se lient à des objets. Ouais, dans les films, au cinéma. Allez-y doucement, ok? Et si l'esprit de Marie était lié à cette poupée?
on la brûle, et on aurait réglé tous nos problèmes. Et ici, ça fait l'inverse. Peut-être que si on brûle sa poupée, non, ça va la rendre folle de rage. Tu n'as pas tort. Trajectoire. John a songé à brûler. Bah oui, non. Eh, Coco, faut pas être con, non plus. Je comptais, bah oui, non. On ne brûle pas, je n'en dors jamais. Après, tu me diras, c'est un 50-50, mais connaissant les jeux d'horreur... Pas le temps d'examiner tout ça, on dégage, allez. Par contre, l'indice qu'il m'a donné, l'autre, ouais, j'ai hâte de savoir, enfin... Je sais pas, c'est quoi la phrase de Shakespeare. Petite fille, où es-tu? J'ai pas peur de toi. Presque pas, 50 minutes, bientôt une heure, on va bientôt s'arrêter là. Derrière vous, derrière. Où elle est passée, la petite fille? Elle nous amène là et elle s'évapore? C'était peut-être tout ce qu'elle voulait, nous mener à la poupée. C'est fait. J'en suis pas convaincu. Waouh, c'est chaud quand même, hein. Bah oui, non, avec l'idée de brûler la poupée, mon jeu. Presque plus de batterie. Ça capte pas de toute façon. T'entends ça? Il y a eu comme un bruit, je sais pas trop. Hé hey, professeur? C'est vous là-dedans? Est-ce qu'on peut se tirer d'ici? Ils sont où, les autres? Sûrement aussi paumés que nous. Tu crois qu'ils nous cherchent? Possible. Angela n'en a rien à foutre que je sois perdue. Ça, c'est sûr. Elle a un côté un peu sec, mais elle a bon cœur. T'en es sûr de ça? Ouais. Je te parie 10 balles qu'à personne. Je touche pas à ça. Mais bon, c'est le premier bâtiment qu'on voit. On cherche l'entrée? Comme tu l'as fait pour la boutique tout à l'heure? Voleur, c'est ton nouveau passe-temps? Non. Mais je l'ai été dans une autre vie. Oh là là, je pense que je vais m'arrêter là, les potes. Hein. Désolé, mais là, ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop, quand même. On peut pas passer. Trop beau pour être vrai. Allez, c'est là-bas. Moi peur? Pas mieux, moi j'ai peur? Pas du tout, j'ai pas peur. Je panique seulement un petit peu. Alors, meuf, désolé, mais y'a rien. Tout simplement, y'a rien. Je sais pas comment je peux monter et... J'ai fait tous les passages, y'a rien. Que nini. Bon bah écoutez, je crois que les amis, ça veut tout dire. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu. Et tout simplement à commenter si vous avez envie. Si vous en avez l'envie. Et puis on se retrouve demain du coup. Pour la suite du coup de Little Hope. Bon Halloween à tous. Et du coup vous avez eu 3 épisodes aujourd'hui je crois. Mais vu que c'est Halloween, voilà, je suis gentil. Donc portez-vous bien et puis on se retrouve demain pour Little Hope. Bye bye tout le monde et portez-vous bien.